Ah, les bébés, leurs doux cris qui viennent vous chatouiller les oreilles jusqu'en il faut, comme il faut et au volume que vous voulez. Surtout dans les Sims 4, non, vous trouvez pas? Tiens! Et si on essayait d'en faire trois d'un coup, tiens, de faire des triplés? Et ouais, il paraît qu'il y a une technique qui existe, que j'ai découverte sur TikTok. Je me suis dit, eh ben, je vais le tester. Donc, on va tester aujourd'hui d'avoir des triplés. Il existe deux techniques, dont une que je vais tester tout de suite et on verra bien si ça fonctionne. Sinon, on essaiera l'autre, où il y a juste une toute petite chose qui change. Mais la voici. Alors, dans cette première petite astuce, il faut déjà tomber enceinte. Activer le test de grossesse, ça, donc ça c'est bon, on tombe enceinte. Ensuite, il faudra écouter de la musique jazz, aller pêcher et finalement manger un repas rapide qui sont des biscuits animaux. Et apparemment, c'est non cheaté tout ça et ça fonctionne apparemment pour la personne à chaque fois. En effet, on voit bien qu'elle va avoir trois bébés à la suite et ça débloque même le succès des triplés. Bon bah alors, go! On y va? Et voici nos cobayes du jour qui sont donc Laura Mauroy et son mari Jules, qui ont l'air déjà d'être très heureux de faire les cobayes. Et on va faire quelques tout petits préliminaires, mais regardez-moi ça, elle a déjà tout compris à ce qui allait se passer. Et après avoir fait quelques bisous, et ben on va donc faire crac-crac pour avoir un enfant. Bon bah allez, assez de jérémiades et d'embrassades maintenant. Vous allez me faire un gosse et plus vite que ça. Youpla! Allez, c'est parti pour le test grandeur nature. Bon, des triplés! Hi hi hi, c'est chaud sous la couette. Et ben voilà, je crois que c'est terminé. En effet, donc mademoiselle, est-ce que tu peux venir nous... Elle dort en plus. Nous faire un petit test pour voir si tu es bien enceinte. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bébé ou pas bébé? Ah bah ça va même pas marcher. Bah c'est pas grave, vous allez remettre ça tout de suite. Ah bah elle veut pas, bah lui il va vouloir. Allez zou. Allez, c'est reparti. Bon, faut excuser, je pense que Jules il a pas su viser où il fallait. Mais à mon avis, le deuxième essai devrait être le bon. Oula! Bah si ça fait pas un bébé, je sais pas ce qu'il faut. Allez, dis-moi tout de suite. Oui, j'avais vu les flèches, c'est confirmé, ça y est. Elle est enceinte, on a bien la notification, on va pouvoir faire les tests. Premier test donc, c'est d'allumer et d'écouter. Donc on va faire plutôt écouter du jazz. Hop, tu vas donc écouter du jazz. Elle a déjà un sacré bide, hein, je veux pas vous le cacher. Alors par contre, ils nous disent pas combien de temps on va écouter du jazz. Mais je vais la laisser écouter jusqu'à temps qu'elle en ait marre. Alors, elle en a marre, elle commence à avoir un creux. On va donc manger un repas rapide, des biscuits animaux, puisque c'est ce qui est dit dans l'astuce. Bon, je suis pas sûre que ça la nourrisse beaucoup et je ne sais pas s'il faut la nourrir plusieurs fois et exclusivement que de ça pendant sa grossesse. Bon, on verra bien. En tout cas, on est à la deuxième étape. C'est parti. Est-ce que c'est bon, ma cocotte? Parce que là, on a déjà fait le jazz, on fait le biscuit et après on ira pêcher. Alors ça y est, Laura a fini de manger ses biscuits animaux. On va donc aller pêcher. Donc on a Evergreen Arbor et on pourra aller pêcher. Nous avons ici. Oui, c'est un petit peu loin. Mais elle va faire du vélo parce que je lui ai acheté un vélo et elle va aller pêcher plus vite que ça. C'est parti pour aller au travers des rues d'Evergreen Arbor en vélo pour aller pêcher, pour avoir des triplés. Allez, on est parti pour pêcher un petit peu sur les quais d'Evergreen. Je sais pas trop combien de temps encore une fois elle peut le faire, mais je vais essayer de faire ces trois étapes-là un peu tous les jours. On verra bien. À mon avis, ça m'étonnerait que je me retrouve avec 9 bébés quand même. Bon, elle en a déjà marre, elle a déjà fini de vouloir pêcher. Bah écoute, est-ce que tu veux encore... Ouais, vas-y, continue un petit peu. On sait jamais. Et puis après, on se verra bien quoi. Et pendant que ça pêche et ça s'occupe, moi j'ai déjà préparé une petite chambre. Bah oui, avec trois berceaux, au cas où. Pendant que le bidon s'arrondit, on continue à manger quelques biscuits animaux et à écouter du jazz. Et un petit tour aussi pour faire de la pêche. Et la petite Laura va atteindre le troisième trimestre dans une vingtaine de minutes. Et donc on sera à 24 heures de l'accouchement. On n'est plus qu'à quelques heures de l'accouchement et Laura se sent plutôt pas mal. Mais bah elle a du courage, elle est encore en train de faire à manger alors qu'elle va bientôt accoucher.
Elle est là, tant qu'elle met pas le feu, ça ira. Eh ben voilà! Hein? Parfaitement! Just in time! Allez, tu peux éteindre ça. Et toi aussi. Parce que là. C'était pas prévu au programme, mais bon, comme par hasard. Ouais, voilà! Bravo, ma cocotte! Hein? Voilà ce que tu fais alors qu'il nous reste que 11 simflouz. On va devoir accueillir un enfant à la maison. Ou deux. Trois. Attention, ça clignote. Ça va être l'heure de l'accouchement. Et enfin voir si cette astuce est donc correcte. Et si elle fonctionne. En tout cas, la personne qui l'a postée sur TikTok, ça fonctionne pour elle. On va voir tout de suite si ça fonctionne pour moi. Ça y est, le moment est arrivé. Eh ben écoute, tu vas voir un bébé tout de suite. C'est parti. Alors, est-ce que cette astuce va fonctionner? Combien de bébés aurons-nous? 1, 2 ou 3? Ça va être réponse tout de suite. J'ai très très peur, parce que si ça fonctionne, je saurai ce qu'il faut pas faire pour mes prochains displays. Alors, nous avons une petite fille. Elle s'appellera, bah oui, Axel, c'est joli. Eh bien, c'est un flop complet puisqu'on a eu qu'un seul enfant. Écoutez, ça valait le coup de tester, moi j'ai envie de dire. Et peut-être que je vais essayer du coup une autre astuce. Comme je vous ai dit, il y en a une qui diffère juste un tout petit peu. Pour cette deuxième technique, donc, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut écouter de la blues musique, manger des biscuits animaux et aller pêcher. Donc c'est à peu près la même chose, mais effectivement, sur la vidéo, on voit bien qu'elle débloque aussi le succès. Bon bah écoutez, tant qu'à faire pour cette deuxième astuce, eh bien on prend les mêmes et on recommence. C'est parti pour un nouveau bébé. Bon, ils n'ont plus leur enfant, je leur ai retiré parce que ce serait chiant à s'occuper d'un bébé alors qu'on essaye d'en faire trois autres. Donc c'est parti. Conception time, mes enfants. Allez, c'est fini, tu vas nous faire un petit test de grossesse, j'espère que cette fois-ci ça passera tout de suite. Oh, bah elle avait disparu. Dis-moi tout, Laura. Mais c'est incroyable, ça n'a pas marché encore une fois. Bon, et bah c'est pas grave, on va remettre ça, hein. S'il faut toujours qu'il vise deux fois ce jeune homme pour marquer un but. Écoutez, tant que la finalité est là. Et pour l'instant, c'est plutôt du ratage puisqu'on a eu qu'un enfant au lieu de trois. Allez, conception time. Bis. Allez hop, le... Crac crac est fini, tu peux donc revenir faire un test de grossesse. En espérant que cette fois-ci, ce soit bon encore une fois. Yes! Bravo Laura. Alors l'astuce, comme on l'a vu, c'est un peu encore la même chose. Il faut prendre un repas rapide, des biscuits animaux. Donc elle va manger ça tout de suite. La pauvre, elle a pas beaucoup mangé autre chose que ça ces derniers jours, mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la science? Ensuite, on va la faire écouter, on va changer de station et on va donc écouter du blues. Est-ce que ça va fonctionner mieux comme ça? Tu peux venir écouter du blues? Et en plus, ils seront plus contents parce qu'ils sont, ils ont tous les deux le trait de caractère machine à danser et avec le jazz, ils pouvaient pas danser. Alors que là, ils pourront. Donc, ils seront au moins contents là-dessus. Allez, il est 3h30 du matin, la petite fringale de la nuit où elle mange encore des biscuits animaux. Ben oui. Et dernière chose à faire, c'est de pêcher. Allez, je pense que là, t'as assez pêché. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. On est dans la dernière ligne droite pour Laura, puisque maintenant, elle va coucher dans moins de 24 heures Sims. Attention. Bon, l'heure fatidique devrait pas tarder, puisqu'il est 14 heures passées. Elle devrait bientôt accoucher. Ah, ça commence à clignoter, c'est que ça va vraiment pas tarder. Triplé ou pas? Après un premier flop, je verrai bien si c'est un second. Hein. Ça y est, le travail a commencé, tu vas pouvoir aller accoucher. Et lui, il a tout compris. C'est bien, t'inquiète, c'est juste pour la science. Allez, c'est parti. Combien de bébés cette fois pour cette deuxième tentative, deuxième astuce TikTok? Et c'est encore une fille que nous avons... Oh, ça s'appellera pas Laura. Hein. On va l'appeler Clémence. Et donc... Oh... Oh non, est-ce qu'on n'a pas une astuce qui fonctionne? Puisqu'on a encore un garçon, ça veut dire des jumeaux. Il va s'appeler Maxime. Attention, j'ai peur. Et c'est des jumeaux!
Alors, c'est pas des triplés, mais nous avons des jumeaux. Est-ce que ça veut dire que cette astuce marche à moitié? Elle est censée nous donner des triplés, mais là, c'est des jumeaux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu de test d'astuces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé l'une ou la deuxième des astuces et quel résultat vous avez eu, si par hasard vous avez une autre astuce pour avoir des triplés. Moi, dites-la moi, je vais essayer de la tester. En tout cas, c'est un peu mitigé comme réponse. Je dirais que la première ne marche pas du tout. Et la deuxième m'a donné des jumeaux, mais est-ce que ça veut dire que ça marche vraiment à chaque fois? Eh bien écoutez, moi je vous laisse tester et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Des gros bisous à vous, ciao!